Sur YouTube, il n'y a pas que les vues ou les likes qui comptent, il y a également les dislikes. Les dislikes permettent de montrer qu'on n'a pas aimé une vidéo qu'on a regardée. Malheureusement, il y a certaines vidéos qui, au lieu de devenir populaires parce qu'elles sont aimées de tous, le deviennent parce qu'elles ont récolté un nombre incroyable de dislikes. Même si diverses raisons peuvent être à l'origine d'un grand nombre de dislikes, ils nous permettent de connaître les vidéos les plus détestées de la toile. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, et de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le top 10 des vidéos YouTube les plus détestées de 2021. Suivez-moi, top, c'est parti. Baby Shark Dance. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette chanson, alors vous vivez sûrement dans une grotte. Cette chanson a inondé la toile avec sa propre danse. Créée par la société de divertissement coréenne Fing Fong, cette vidéo que les enfants ont beaucoup appréciée a quand même récolté un nombre incroyable de plus de 14 millions d'aversions. Dans cette vidéo, on peut voir des enfants jouer et danser avec pour arrière-plan une famille de requins qui a l'air de s'éclater. On peut dire que cette vidéo a été victime de sa popularité parce qu'elle a été vue plus de 9 milliards de fois quand même. À force d'entendre la même chanson, on finit par la détester. Peut-être qu'on peut imaginer que tous ceux qui ont mis un dislike ne détestent pas forcément la vidéo, mais on avait peut-être marre de la voir partout. Il est même raconté que cette chanson est utilisée pour torturer les criminels. C'est le comble. En tout cas, si vous allumez cette vidéo devant les plus jeunes, ils vont apprécier et s'éclater. YouTube Rewind 2018. YouTube Rewind est une série de vidéos annuelles que YouTube même produit et crée à la fin de chaque année. Ces vidéos offrent un aperçu des vidéos virales, des événements tendances qui ont marqué l'année. Mais malheureusement, le YouTube Rewind 2018 n'est pas du tout apprécié par plus de 19 millions de personnes. C'est quand même un peu gênant de voir qu'une vidéo produite par la plateforme s'affiche dans les vidéos les plus détestées. YouTube même va devoir faire un peu plus d'efforts pour gagner l'amour de ses utilisateurs. Les raisons qui ont fait que cette vidéo a été autant détestée sont nombreuses. On note dans le YouTube Rewind plusieurs événements importants qui sont boycottés. Des absences d'hommages, les critiques des YouTubeurs et des téléspectateurs ont fait de cette vidéo les plus détestées de la plateforme. Sadak 2. En 1991, le thriller romantique indien est sorti et avait rencontré un succès retentissant. C'était l'un des meilleurs films de l'année et le public attendait le 2 sans être servi. Des décennies après, le réalisateur a enfin lancé la bande-annonce de la deuxième partie du film. C'était en 2020, l'année au cours duquel le népotisme était à Bollywood, au centre de tous les débats. L'acteur indien Sushan était envisagé pour le rôle principal face à la fille du réalisateur. Mais finalement, le rôle est revenu à un autre acteur. Sushan, déprimé, s'est suicidé. Ses fans prétextent que Sadak 2 a été l'origine de son suicide. Les fans ont boycotté le film et sa bande-annonce. La vidéo a reçu plus de 5 millions de dislikes en 2 jours. À ce jour, la vidéo cumule plus de 13 millions de dislikes, ce qui lui vaut sa place inévitable dans notre top 10. Baby Justin Bieber. Cette chanson qui est sortie en 2010 a eu un vrai succès à l'époque. D'ailleurs, elle continue de la voir jusqu'à nos jours. C'était la première chanson qui nous faisait découvrir l'énorme talent du jeune Justin Bieber. Mais malgré le succès et tout le positif que cette chanson a engendré dans la vie de l'artiste, le nombre de dislikes se compte par millions. On se demande bien pourquoi toutes ces réactions négatives. Pourtant, Ludacris, avec qui le jeune homme était en featuring, a aussi bien assuré sur le morceau. Victime de son succès, des haters, on ne le saura jamais. Mais toujours est-il que la chanson cumule plus de 12 millions de dislikes. Mais ce n'est pas la première fois qu'une telle chose arrive. Les vidéos qui sont très populaires sont souvent parmi les plus détestées. Johnny Johnny Yes Papa. Cette comptine raconte l'histoire d'un enfant nommé Johnny, qui est surpris par son père alors qu'il était en train de manger du sucre. Les paroles de la chanson sont sous forme de dialogue. Même si la vidéo a plus de 5 milliards de vues sur YouTube, elle détient un grand nombre de dislikes, qui est à plus de 11 millions. La célébrité de la vidéo n'est pas due que à la population de plus en plus jeune qui regarde YouTube. En effet, la chanson a été remixée de nombreuses fois par de nombreuses stars et créateurs de contenu, ce qui a augmenté sa cote. Cette chanson est bien évidemment bien accueillie par les plus jeunes, qui ne manquent pas de se régaler sur son rythme très amusant. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas aimé la chanson de Johnny, dites-le moi en commentaire, et dites-moi pourquoi. Luis Fonsi Despacito. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui dira qu'il ne connaît pas cette chanson de Luis Fonsi qui est sortie en 2017. La chanson a tellement bien marché que Luis Fonsi a fait un remix avec Justin Bieber. Le remix a aussi été très bien accueilli. La chanson a été visionnée plus de 7 milliards de fois sur YouTube. C'est l'une des chansons les plus vues de la plateforme. Mais un tel succès s'accompagne bien évidemment de critiques aussi. C'est ainsi que la vidéo a reçu plus de 5 millions de dislikes. Et se pointe bien évidemment dans notre liste. La popularité de la chanson n'a pas ouvert la porte rien qu'aux réactions positives et aux likes. Ceux qui trouvent la chanson nulle ou omniprésente
n'ont pas hésité à appuyer sur le bouton dislike. Jake Paul, it's every day, bro. C'est en 2013 que Jake Paul a fait son apparition sur l'application de partage de vidéos appelée Vine. Ils ont eu du succès sur la plateforme, mais malheureusement, la plateforme a disparu. Après la disparition de la plateforme, ils ont débarqué sur YouTube. Ils ont rapidement également eu du succès en amassant des milliers de followers. Ils sortent donc en 2017 leur célèbre titre intitulé « It's Everyday Bro ». Le son n'a pas rencontré le succès apparemment attendu, puisqu'il a quand même été dislike plus de 5 millions de fois. La plupart des réactions négatives étaient dirigées vers les paroles grotesques dans la chanson ainsi que le style de rap. Can we smash 1 million de dislikes ? Il faut dire que tout le monde n'est pas obsédé par les likes sur YouTube. Dans cette vidéo qui a fait le buzz il y a quelques années, on peut voir un jeune qui crie dans la rue, le torse nu. Il n'hésitait pas à demander aux passants d'appuyer sur la touche « Je n'aime pas », afin que sa vidéo soit parmi les plus détestées de la plateforme. Apparemment, son vœu a bien été exaucé puisque la dite vidéo compte plus de 5 millions de dislikes, ce qui lui vaut sa place dans notre classement. Pendant que d'autres luttent pour se faire aimer, il faut dire qu'il y en a un qui fait tout pour se faire détester. Et cela marche plutôt bien. Damoko Tosita. Ce petit extraterrestre vert qui danse sur du Damoto Kosita a fait le tour du monde en 2018. Le titre original a été enregistré il y a des décennies. Mais récemment, un remix a été fait avec la danse. Et cette créature étrange, qui a l'air de plutôt s'éclater dans la vidéo. La danse a été reprise par des milliers de personnes à travers le monde. Et certains en ont même fait un challenge. La vidéo cumule plus de 3 milliards de vues. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les dislikes, qui sont plus de 5 millions. Il faut dire que certaines personnes n'ont pas du tout apprécié la tête de ce bonhomme vert. En tout cas, si vous, vous l'avez aimé ou pas, dites-moi ça dans les commentaires. Call of Duty Infinity Warfare Reveal Trailer. Les fans du jeu vidéo ont adopté ce jeu dès sa toute première sortie en 2003. C'est l'un des jeux de mission de guerre les plus appréciés. Si les fans ont aussi bien accueilli ce jeu, c'est à cause de son cadre, qui reflète la réalité. Si vous êtes un fan de jeux d'action et d'aventure, vous avez certainement apprécié Call of Duty. Mais quand la franchise annonce la sortie du nouvel opus en 2016, la bande-annonce n'a pas été très bien accueillie par les fans du jeu. Beaucoup lui ont reproché le cadre futuriste qui était mis en avant. Ce que les fans recherchaient par-dessus tout, c'était le cadre réel du jeu. Ils n'ont donc pas hésité à appuyer sur le bouton de dislike pour exprimer leur mécontentement. La vidéo cumule plus de 3 millions de dislikes. Étonnamment, à la sortie de cet opus qui a été sévèrement critiqué, les fans ont beaucoup apprécié et le jeu s'est même vu décerner beaucoup de prix. Le mal était malheureusement déjà fait. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la plupart des vidéos qui ont eu le plus de dislikes sont des vidéos populaires, qui ont quand même un nombre incroyable de vues aussi. Victimes de leur succès ou pas, on ne le saura jamais. Si vous connaissez d'autres vidéos qui sont parmi les plus détestées, faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, nous sommes à présent à la fin de notre top 10. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.